À nous deux, B. Qui es-tu et à quoi joues-tu? Tiens, voilà mon vieil ami d'Israël. Alors, Premier ministre, lequel de tes amis s'apprête à te poignarder dans le dos? La loi sur la collusion est une étape cruciale de la réforme de l'État. Si le parti majoritaire peut imposer les résultats d'élections contestées, comment pourrions-nous nous prétendre libres? Si nous cédons un par un nos droits aux judiciaires, nous ne pouvons plus guère nous prétendre libres. Cela vous ressemble bien, Gladstone. Vous préféreriez vous jeter dans les rouages du progrès plutôt que renoncer à un iota de pouvoir. D'Israëli, vous déraisonnez, et c'est un euphémisme. Je ne vous laisserai pas traîner les privilèges parlementaires dans la boue sans rien faire. Non, certainement pas. Préféreriez-vous retrouver le joug de la tyrannie? Tant que nous y sommes, Monsieur Gladstone, nous pourrions brûler la Grande Charte et rendre la couronne aux Stuarts. J'ai la ferme conviction. Ce n'est pas parce que je souhaite que le gouvernement reste à l'écart des juges que vous pouvez vous permettre de m'insulter. Je ne le tolérerai pas. Dans ce cas, je rendrai votre requête caduque. Monsieur, je ne vous salue pas. B, je présume. Tu feras moins fier avec tes voyous. Ravi de te rencontrer. B. B? Je m'appelle Herbert. Alors pourquoi suis-tu le Premier ministre? Pour l'argent, monsieur. Quelqu'un m'a payé pour... Petite vipère. Ah. Yeah. Thank you.
Oh nom de Dieu! D'où est-ce que tu sors, toi? Eh bien, je suis né à Crowley, mais peu importe. Pour qui tu travailles? J'ai jamais su son nom. Un vieux à grosse moustache, avec une sorte d'uniforme, de hussard peut-être. Que veut-il? Pitié, il va me tuer! Et une chute de 3 étages va te briser les jambes et t'envoyer à l'hospice. Tu ne préfères pas lui échapper? C'est pour demain. Mes gars doivent attaquer la voiture du Premier ministre sur le chemin du Parlement. Parfait. Trop tard pour une visite. Il va falloir que j'entre dans cette voiture. Voyons, que signifie tout ceci? Et qui diable êtes-vous? Jacob Fry, monsieur le Premier ministre. Votre nouveau garde du corps. Personne ne m'a informé d'un nouveau garde du corps. Qui est votre commandant? Laisse-le parler, Dizzy. Madame, mes excuses. Mais on a appris que votre vie était menacée. Et les forces de police sont faites au plus vite. Une menace? Quel genre de menace? De ce genre. Si vous voulez bien m'excuser. Où est-ce qu'il sort? À couvert, les gars! Mouah! Mais enfin, que signifie tout ce pas si vite, Votre Excellence? Yeah!
en soyons sortis indemnes. Merci à vous. C'est à Gladstone, je ne peux être que lui. Ses turpitudes sont la marque criante de son absence de caractère. Montrez-vous, Gladstone! Montrez-vous, espèce de lapin! Je l'imagine mal se promener dans les rues avec un gourdin. Oui, c'est ça. Merci. Que comptez-vous faire à propos de Gladstone, jeune homme ? Je vous assure, madame, que Gladstone est étranger à ceci. Mais il a essayé de tuer mon mari ! Nous nous occuperons de Gladstone. Mais peut-être pouvez-vous m'aider dans une autre enquête, madame. Un gentleman ayant des liens avec le Parlement, âgé, un uniforme de cavalerie, une grosse moustache ? Vous avez l'air d'un individu à qui rien ne résiste, mais ça fraille. Ma foi, je l'avoue, c'est le cas. Et vous connaissez bien les quartiers pauvres de notre ville. Assez, oui. Magnifique. Il se trouve que j'aimerais visiter The Devil's Egg. Si vous m'y escortez, je serai ravie de vous aider dans votre enquête. Ça me semble une très mauvaise idée. Alors, c'est entendu. Présentez-vous à Downing Street demain soir à 8h précises. Adieu, Mr. Fry. Mais... Adieu, Mr. Fry.